Salut! Ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un bail qu'on n'a pas fait un petit point sur la chaîne et que. Bah, que je suis plus très actif en ce moment ces derniers temps sur la chaîne, mais. Enfin, quoi que ça reprend un petit peu là, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment. Donc, salut à tous, hein, pour les quelques personnes qui sont encore là. Alors, je voulais faire un nouveau point sur la chaîne, parce qu'il est en train de se passer plein de choses, en fait, différentes, que je suis en train justement de mettre en place, que tu as peut-être pu voir si tu es, comme si tu es abonné à la chaîne, si tu as peut-être pu voir déjà ce qui se trame. Et du coup, je voulais tout simplement en parler et te dire un petit peu ce qui se passe et comment la chaîne va évoluer là, ces prochaines semaines. Alors, je vais te parler de trois choses importantes. Je vais commencer avec EcoSense. Si tu suis un petit peu la chaîne, tu as remarqué que j'ai une émission de développement personnel cinématographique, hein, qui est là, affichée, EcoSense. Depuis des années, j'ai cette émission, mais j'ai arrêté d'en faire parce que c'est de l'analyse cinématographique, et puis comme je ne fais pas beaucoup de vues, que je ne génère pas beaucoup d'abonnés, du coup, c'est un peu déprimant et j'ai arrêté entre guillemets ce concept il y a quelques années. Seulement, je mets des guillemets sur arrêter le concept puisque en fait, non, je ne l'ai pas vraiment arrêté. C'est juste que je l'ai mis en stand-by le temps de je ne sais pas, peut-être l'espoir d'avoir une chaîne un peu plus grandissante. Mais en fait, EcoSense, ça reste mon émission de cœur. En fait, ça reste vraiment mon Graal en fait et c'est vraiment un concept, c'est vraiment une émission que je voudrais continuer à faire pendant des années. Du coup, elle me tient tellement à cœur cette émission que j'ai décidé en fait de les refaire. En fait, les 6 EcoSense que j'avais fait, j'ai décidé de les refaire pour la troisième fois. Faut savoir que EcoSense, c'est une émission que j'ai créée en 2017 et les deux premiers EcoSense que j'avais uploadés, celui sur 13 Reasons Why et New York Melody, ont été uploadés de base en octobre 2017. C'était donc les toutes premières versions, ensuite j'ai enchaîné avec celui sur Ratatouille quelques mois plus tard, et après j'ai arrêté le concept en quelque sorte, j'ai arrêté un petit peu mon activité régulière sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que quelques années après, j'ai voulu relancer le concept, mais en les refaisant, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient plus, notamment au niveau de la face cam, parce que j'avais une sorte de jeu d'acteur à l'époque qui me plaît plus trop en fait avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc du coup j'ai voulu un petit peu virer ce jeu d'acteur et refaire ces EcoSense. Donc quelques années après, je sais plus, je crois que c'était en 2020, je les ai refaits en fait. J'ai fait EcoSense 2.0. Et en fait, j'avais toujours gardé un petit peu ce jeu d'acteur justement. J'avais remodifié quelques morceaux d'écriture en fait. Et du coup, j'avais toujours gardé un petit peu ce jeu d'acteur, ça me plaisait toujours pas assez. Et comme, depuis des années, il n'y a pas énormément d'abonnés sur la chaîne, et que les vidéos, de toute façon, les EcoSense ne faisaient pas énormément de vues, je me suis dit, bon bah, voilà, je vais les. C'est pas grave, je peux me permettre de les refaire une fois de plus. Et à l'heure actuelle, je crois que j'en ai réuploadé deux. Et donc, j'ai refait les facecam et j'ai recopié un petit peu toutes les images que j'avais mises. C'est à peu près les mêmes images, j'ai retouché vite fait l'écrit à certains endroits, donc j'ai modifié très légèrement l'écrit, mais grosso modo, en fait, ça reste vraiment la même chose que les premières versions, quoi. C'est juste que j'ai viré ce fameux jeu d'acteur qui me plaisait plus trop, en fait, qui était plus compatible avec ce que je fais aujourd'hui, un truc un peu plus sérieux. Donc voilà pour EcoSense, il m'en reste 4 à publier, je les publierai avant la fin de l'année, et pour info, j'en ai pas refait d'autres. La deuxième chose importante dont je voulais parler, c'est tout simplement que tu as sûrement remarqué, si tu es sur YouTube très fréquemment, YouTube a un peu, voire même carrément, changé au niveau de la mise en page. Tu as peut-être remarqué que les vignettes de vidéos ont changé ces temps-ci, puisque maintenant elles ne sont plus carrées, elles sont, les bords sont arrondis. Donc, il y a pas mal de choses dans la mise en page qui ont changé. Si tu regardes un petit peu une chaîne YouTube sur PC, tu verras que les vignettes sont beaucoup plus grandes, ou même sur une tablette, ou même sur smartphone, hein, de toute façon, les vignettes sont beaucoup plus agrandies. Je trouve ça mieux, je trouve ça plus stylé, personnellement. On voit mieux, justement, les vignettes, le fait qu'elles soient un peu plus grandes. Bon, du coup, il y en a moins qui s'affichent à l'écran en ligne horizontale, mais ça rend bien. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et en fait, t'as remarqué que depuis quelques temps maintenant, YouTube met en ligne, on peut mettre en ligne des vidéos au format TikTok.
forcément, YouTube a repris le concept de TikTok, qu'ils appellent donc des shorts, hein, Instagram et Facebook, enfin le groupe Méthode Facebook l'a repris avec les Reels également, parce que ça fonctionne à mort. Et YouTube a modifié quelque chose d'absolument génial au niveau de la mise en page, en même temps qu'ils ont fait la mise à jour sur les vignettes arrondies, ils ont enfin mis des catégories, c'est-à-dire que maintenant les vidéos standards sont dans un onglet vidéo, et les shorts sont dans un onglet shorts, justement. Tu peux voir un petit peu ce que ça donne sur ma chaîne, pour voir un petit peu comment ça rend. Maintenant, on a des onglets, en fait. Et il faut savoir que moi, j'ai un compte TikTok depuis à peu près un peu plus d'un an, je crois. Mais à l'époque, je faisais pas trop de vidéos sur les débuts, sur les premiers mois, parce que j'avais pas vraiment de concept. Et ensuite, j'ai trouvé vraiment un concept, parce que je savais que j'aime bien parler d'actu ciné, série, notamment sur et un peu jeux vidéo aussi, sur Twitter. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler d'actualité, justement, en vidéo sur TikTok. Et donc, il y a quelques mois de ça, j'ai refait ma page TikTok entièrement, et je me suis dit, bah pourquoi pas, quand j'ai relancé justement ce nouveau concept, avec des vignettes, des belles vignettes et tout bien définies, avec un truc que j'appelle justement social en fait, social film, pour quand je parle de film, social série, social game, social média, quand je parle des plateformes, etc. Donc je trouvais ça intéressant, et je me suis cassé le cul justement à faire des belles vignettes, et personne qui fait des super vignettes sur TikTok, je remarque, c'est toujours... Moi, je fais une belle mise en page, voilà, mon TikTok, à quoi il ressemble, voilà, ça a quand même la gueule. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de publier également ça en Reels sur Instagram. Comme les Reels, en fait, fonctionnent sur le même algorithme que celui de TikTok, qui permettent de mettre justement des petits créateurs en avant, contrairement à YouTube, où... Enfin, YouTube a un algorithme beaucoup plus casse-couille pour ça. Donc, YouTube vidéo, je vais reparler des shorts dans une minute, mais les vidéos TikTok, l'algorithme TikTok fonctionne bien, et on peut faire des vues rapidement et facilement, et générer justement pas mal de trafic, même quand t'es un petit TikToker ou Instagrammeur. Donc du coup, comme c'était facile de publier sur les deux plateformes, bah je l'ai fait, et j'ai adapté ces vidéos-là, en fait, dans un format de 90 secondes. Les Reels d'Insta, c'est 1 minute 30 grand max, en fait, tu peux pas aller au-delà pour l'instant. Avant, c'était 1 minute, et après, ils sont passés à 1 minute 30 il y a quelques mois de ça. Actuellement, je fais des vidéos de 90 secondes, enfin de moins de 90 secondes, pour les uploader sur les deux plateformes. Et j'aurais voulu, en fait, uploader ces vidéos sur YouTube. Mais avant que YouTube fasse sa superbe mise à jour de mise en page, ça aurait été moche, en fait. Ça aurait été moche si j'avais publié mes shorts dans l'onglet vidéo. Moi, j'aimais pas ça, en fait, mélanger, tu vois, toutes les vidéos avec les shorts. Surtout qu'en plus, je fais de l'actu. De l'actu actu geek, en fait, de l'actualité jeux vidéo, ciné-série et compagnie. Donc, c'est quand même très différent de ce que je fais actuellement sur ma chaîne avec les argumentaires et les écosens, qui sont plus une forme de développement personnel cinématographique, en fait. Et donc, personnellement, ça me faisait vraiment chier de tout mélanger. En fait, ça me plaisait pas du tout, parce que je me suis dit, après, mes vidéos, on va plus du tout les voir. Cela dit, je trouve ça con. En fait, en y réfléchissant bien, je trouve ça un peu con, dans le sens où, de toute façon, j'ai rien à perdre, parce que j'ai pas énormément d'abonnés. Donc, et du coup, relancer la chaîne, justement, avec des shorts, ça aurait été, justement, vachement intéressant à faire, puisque... l'algorithme des shorts YouTube est un peu le même genre d'algorithme que sur TikTok, sur Instagram en Reels, et ou même sur Facebook. Enfin, quoi que je fais pas de Reels sur Facebook, mais à mon avis, ça va être le même genre aussi d'algo. Et du coup, tout ça m'a donné justement l'idée de publier mes vidéos TikTok Reels en shorts YouTube. Et comme tu as pu le remarquer, j'en ai déjà publié certains. C'est les vidéos que j'avais publiées il y a plusieurs mois, donc sur TikTok et Insta. Et en fait, je vais les réuploader donc ici sur YouTube. Donc maintenant, ça sera dans l'onglet short, super onglet dédié, ça c'est très très cool. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais relancer la chaîne avec des shorts, que je vais faire vraiment régulièrement, parce que les shorts, ça fonctionne bien. Tu vois, c'est même intéressant pour tous les petits créateurs, en fait. Que ce soit des vidéos TikTok, des Reels ou des shorts, c'est super intéressant, parce que comme l'algorithme est différent, il met vraiment en avant les petits créateurs.
Et justement, on peut avoir une sorte de reboot, j'ai envie de dire, de ce qu'était YouTube à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un peu plus facile de faire des vues parce qu'il y avait un peu moins de monde, justement. Aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont publiées à l'heure, à la seconde. Enfin, c'est hallucinant, je crois. C'est combien? C'est 4000 heures, plus de 4000 heures de vidéos uploadées par minute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et encore, je crois que c'était des chiffres qui datent de 2019, si je dis pas de conneries. Donc bref, tout ça pour dire que les vidéos au format vertical, l'algorithme est beaucoup plus sympathique, on va dire, pour les petits créateurs, et ça c'est vraiment bien, quoi. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je suis un peu en train de relancer la chaîne, mais avec des shorts. Et en même temps, bah, j'ai bossé donc, sur les EcoSense, et j'ai également bossé sur des nouveaux argumentaires, j'en ai fait 5, que je devrais également uploader avant la fin de l'année normalement. Donc du coup, bah, reste connecté parce qu'il va y avoir pas mal d'activités sur la chaîne ce mois-ci, énormément. Ah oui, et en parlant des shorts que je suis en train de publier, les 22 premiers donc, que j'ai déjà publiés sur Insta et TikTok ne seront pas complets en fait. C'est normal parce que c'est sur un format de 90 secondes que je les ai faites. C'est ces vidéos-là, donc du coup, elles ne seront pas complètes. Moi, je les upload en format short, donc en 60 secondes. Donc il n'y aura que 60 secondes d'uploader pour ces 22 premières vidéos. Et à partir de la 23e vidéo, du coup, toutes les vidéos donc, que je publierai en shorts, en reels et en TikTok seront sur un format de 60 secondes. Ce qui me permettra, tu as compris, d'uploader ces vidéos au format vertical, donc les mêmes, exactement les mêmes, sur les trois plateformes en fait. Qu'il n'y ait pas de frustration d'avoir une plateforme dans laquelle les vidéos seraient incomplètes. Là voilà. Donc c'est pour ça que je passe sur un format de 60 secondes pour m'adapter à toutes les plateformes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai créé une playlist dédiée aux shorts, que tu pourras retrouver en description là, de toutes les dernières vidéos, que j'ai donc appelée Social Shorts. Comme tu peux voir, ça ressemble à peu près à ça sur la page d'accueil. Alors ce qui est bien, c'est que sur la page d'accueil, tu peux voir qu'on voit les vignettes. Dans l'onglet Playlist, on voit également les vignettes. Seulement, dans l'onglet Shorts, malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas les super vignettes social film, social série, etc. que j'ai pu faire. C'est un peu dommage. Après, je pense que ça sera mis à jour. Voilà, je pense qu'il faut attendre en fait. Il faut vraiment attendre parce que les shorts, voilà, c'est encore un peu tout neuf. En tout cas, voilà, après on s'en j'ai envie de dire on s'en fout. L'important c'est l'algorithme et de générer justement du trafic, c'est sûr, c'est ça l'important. Mais c'est parce que moi, sur l'aspect graphique, hein, si tu me connais, tu sais que j'aime bien que ce soit classe, quoi. Donc voilà pour les shorts. Et la troisième chose dont je voulais te parler, c'est faire un point en fait sur mes différents réseaux sociaux. Alors, actuellement, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et voilà, je voulais justement faire un point sur l'utilisation en fait de mes réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, j'utilise plus trop ma page Facebook. Alors, elle est nickel. Et du coup, mon activité sur cette page Facebook, elle sera nulle puisque je m'en sers un peu de présentation en fait, de page de présentation, vraiment de la chaîne. Ça s'arrête là. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y aura plus trop d'activités. Les seuls trucs que tu peux aller voir, c'est dans l'onglet photos où je poste, où j'ai déjà posté 2-3 bricoles en rapport justement avec ma chaîne. Tous les logos, en fait, tu vois, les logos comme ça de EcoSense, je les ai mis en fait sur dans l'onglet photos de la page Facebook. Et il y a que là, en fait, que tu peux les trouver. Voilà. C'est vraiment, ça sera uniquement dédié à ça, en fait, la page Facebook. Uniquement quand je fais du graphisme comme ça. Je les mettrai en photo sur Facebook. En ce qui concerne mon utilisation d'Instagram, sur Insta, je publie des photos de ma vie privée, en fait. Voilà. Donc là, c'est un peu plus personnel, en fait. L'Instagram, c'est vraiment pour le côté un peu plus perso. Donc la vie personnelle en photo et en Reels, bah, les Reels que je upload sur TikTok et sur YouTube. Donc si tu veux voir des photos de Blu-ray 4K ou des conventions geek, bah, je t'invite à aller jeter un œil. Sur ma page Insta, puis je fais des guides aussi, ce qu'ils appellent des guides, une sorte de page de blog où tu peux mettre les publications, c'est assez stylé. Donc voilà, je fais ça pour certaines conventions et certains festivals de films et de séries. Twitter, alors Twitter c'est là où je suis le plus, parce que c'est là en fait où je prends toutes mes infos tous les jours de la pop culture en fait, voilà, de tout ce que j'aime en fait, donc c'est là où je prends justement toutes les infos.
Donc c'est là où je suis le plus, et je tweete aussi, ouais, je tweete pas mal, ouais, je tweete quand même plusieurs fois par semaine, donc voilà, Twitter, je suis assez présent, c'est vraiment le réseau social où je suis le plus présent, en fait. Donc n'hésite pas à aller follow mon Twitter si tu veux, si tu veux savoir quel film ou quelle série me hype le plus ces prochains mois. Et enfin TikTok, où je publie, bah, les reels, les shorts, voilà, les vidéos TikTok, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus parce que de toute façon, il y a qu'un seul format sur TikTok, donc c'est que des vidéos, donc voilà. Je t'invite bien sûr à aller t'abonner à tous ces petits réseaux. Donc maintenant, je vais relancer la chaîne avec des shorts, ce qui me permettra donc voilà, de générer un peu plus de trafic et donc d'avoir en plus deux concepts totalement différents parce que du coup, je ferai des shorts donc d'actualité, ciné-série, un peu ce que je partage justement sur Twitter, je le ferai en vidéo. Et à côté, bah, il y aura des vidéos EcoSense, les argumentaires, donc des vidéos d'analyse cinématographique, donc hein, des trucs un peu plus poussés, un peu plus travaillés. Tu vois, comme ça, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Mais sinon, voilà, il y aura de quoi faire déjà ce mois-ci, encore plusieurs argumentaires et quelques EcoSense à uploader. Et des shorts, parce que les shorts, c'est vrai que c'est bien parce que c'est un format court et c'est facile à faire. Et franchement, j'aime bien le faire. Tu vois, c'est un exercice, c'est sympa. Je me prends pas la tête, il n'y a pas de micro, pas de. Tu vois, je me casse pas la tête à faire le cadrage, ce genre de choses. Je prends mon téléphone, hop, j'allume mon iPhone et puis basta, quoi, sans micro, sans rien. Tu vois, c'est vraiment à la va-vite. Donc, du coup, comme c'est un format plus facile à produire, je vais essayer d'en faire un maximum. Surtout que l'algo en plus est beaucoup plus motivant et beaucoup moins exigeant que le YouTube standard. Donc voilà, ça me changera quand même des vidéos. Faut savoir que, pour anecdote, une vidéo short, enfin format short comme ça me prend, je dirais grosso modo, une petite heure au niveau du montage et tout, le temps de la faire, de l'uploader et tout ça. Sachant qu'un EcoSense, c'est à peu près 50 heures de travail. Donc. Il n'y a pas photo. 50 heures de travail pour faire 10 vues et là faire une heure de travail pour des shorts qui peuvent performer à plusieurs centaines voire plusieurs milliers de vues en quelques minutes. Voilà, le choix est vite fait, quoi, on va dire. Sur ce, eh bien, j'espère que tout ça te plaira et moi je te dis à la prochaine et on se retrouve pour des EcoSense, des argumentaires et des shorts, bien sûr. Ciao!